Salut les backpackers, aujourd'hui on se retrouve pour une petite marche du côté de Profondeville, à Rivière plus précisément, ça se situe entre Namur et Dinan. Pour cette rando de 7,5 km, il faudra suivre ce petit balisage que tu peux voir ici. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne se perde pas, n'est-ce pas? Parce que je connais des experts de la Lost. On va essayer de faire quelques plans vidéo en même temps de s'entraîner un peu avant de partir en Nouvelle-Zélande, car oui, j'ai dû faire une nouvelle coupe de cheveux pour mon passeport, étant donné que j'ai les cheveux ultra courts dessus. Et on va voir ce que ça donne. On espère qu'on aura le temps de publier cette vidéo avant qu'on soit parti à Dubaï et en Nouvelle-Zélande. On verra, on verra. Et on dira un peu notre ressenti de cette marche pour voir si elle vaut vraiment la peine. En tout cas, pour le moment, ça va, on est dans les hauteurs. Pourquoi les 7 meuses? Car tout simplement, tu verras la petite vidéo que Sabrina a prise. Il y a en fait 7 virages de Meuse, si tu suis la vue, le point, on va dire, le plus culminant. Donc tu vois 7 fois la Meuse. Bon, ça devenait un peu trop simple, donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est mettre quelques marches pour être sûr que tu travailles bien tout ton corps. Allez, on plie bien les jambes, on monte. Ouais, mais non, c'est pas par là. Voilà, orientation Sabrina. Oui, on va prendre les petites marches. On va prendre les petites marches. Ouais, elle va aller se repentir là-haut. Parce que ouais, le chemin nous dit d'aller tout en haut. Derrière moi, là. Là où est Sabrina. Nous voilà le long de la Meuse, et si tu regardes bien, tu vois là tout en haut où il y a l'antenne, c'est là d'où on a démarré. C'est depuis cet endroit là qu'on t'a montré la vue des 7 Meuses. Pour le moment on profite du frais le long de la Meuse, mais bientôt il va falloir monter, ça va être un peu moins plaisant. Mais bon. Toujours bien faire attention hein, lorsque tu passes les passages, les croisements avec les routes, parce qu'ici ça roule assez vite. Donc sois prudent tout de même. Et on se laisse refroidir
par la fraîcheur de la Meuse, même si, comme tu sais, elle est pas très propre. Mais il fait plus de 30 degrés ici dehors, donc ça fait du bien. Ah, et comme à notre habitude, qu'est-ce qu'on découvre? Ceci. Ah, si tu sais ce que c'est, c'est que tu as dû nous suivre depuis pas mal de temps, ou alors que tu as déjà une bonne petite expérience. Bon, attention à pas te faire avoir, hein, même si le chemin ici de Compostelle te dit d'aller par là, ainsi que le GR, ben, il faut pas tourner ici. On a fait deux fois demi-tour pour être certain. Parce qu'ici, si tu regardes bien, il y a le petit GR là, sur la barre métallique que tu vois ici. Tu vois, ça c'est le symbole du GR. Mais nous, même si tu as l'impression que depuis tout à l'heure tu suis le GR et que tu dois le suivre toujours, ben, en fait non. C'est ici. Il faut continuer tout droit. Et tu verras le petit panneau qui est dissimulé après le pont. Ici. Donc en fait, il suffit de continuer sur le Ravel, le long de la Meuse. Pas trop compliqué, hein, j'ai envie de te dire. T'as juste à suivre le Ravel. Et ouais, comme tu t'en doutes, maintenant il reste plus que les montées à faire. C'est ce qu'il y a de plus dur. En fin de journée, c'est ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Ouais, parce que tout part au soleil. Ouais, avec cette chaleur, on n'a pas beaucoup d'eau. Elle est déjà tiède, ça promet. Est-ce que tu nous crois si je te dis qu'on s'est encore perdu? Mais bon, on est retourné sur, enfin, sur les pas, sur la chaussée. Au final, il fallait trouver l'église et remonter ensuite la chaussée qui rejoint l'église. D'ailleurs, maintenant, ce serait que de la côte. J'espère juste qu'on ne se prendra pas les côtes qu'on a pris en voiture pour arriver au parking. Parce qu'il y a 18% d'inclinaison à certains endroits sur 2,2 km. Ça promet. Bon, je crois que c'est maintenant que ça monte le plus. D'ailleurs, il pense à vous. Courage. Allez. On est parti pour un bon petit plan incliné. Et après, on sera arrivé à notre objectif, à notre voiture. Et on pourra rentrer. Après, probablement, ces 8 km marchés. Étant donné qu'on a fait un petit détour. Parce que par moment le balisage on s'y perd assez facilement. Mais ça reste assez bien balisé contrairement à certaines marches. Donc ça va. On ne va pas s'en plaindre.